and kissing, man. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some, never mind. Just let me know. Bonjour tout le monde, ce matin c'est petit déjeuner céréales, on en est déjà à notre deuxième paquet parce qu'on a eu des invités à la maison. Donc on finira pas la semaine avec nos céréales, la prochaine fois il faudra que j'en prenne plus. Ouais, en fait ils sont trop bons ces céréales. Bref, je montre pas ma tête parce que je suis à peine réveillée, toute décoiffée. Et là-bas j'ai monsieur qui commence déjà à faire des âneries. Bon, me voilà un peu plus fraîche. Il doit être quelque chose comme midi, ouais il est midi moins le quart. Je me suis épilé les jambes et tout, enfin bref, on a pris soin de nous ce matin. Léa, elle est en train de faire des perles, hop, elle s'est mis son petit atelier juste ici, donc elle s'est occupée pendant que j'étais sous la douche et tout. Et puis ben là, elle est en train de faire sa chambre, elle a fait une petite pause en fait. Moi, je vais faire ma vidéo, ma deuxième partie du haul parce que je l'ai toujours pas filmée et que j'aimerais bien faire un peu de cartes un petit peu. Et puis Léa m'en a demandé un petit peu tout à l'heure. Donc je pense que c'est ce qu'on fera dans la journée. Mais pour ça, il faut quand même que je tourne le haul d'abord avant d'utiliser mes affaires. Du coup, je vais tourner mon haul de suite, comme ça, ce sera fait. Et puis après, je pourrai le monter. Sachant que ce soir à 18h, je vous rappelle qu'on a la copine de Léa qui vient. Donc moi il va falloir que je les occupe. Et puis une fois qu'elles seront occupées et couchées, je pourrai commencer à faire du montage. Et au pire des cas, en attendant sa copine, je pourrais peut-être commencer aussi. Mais bon, ça je sais pas trop si je pourrais. Donc voilà, donc là du coup je vais faire mon petit haul. Et puis après je vous reprends tout à l'heure. Je pense que du coup je vous reprendrai quand on mangera quoi. À toutes. Léa m'a fait un petit bracelet, elle a mis 3 heures pour me faire le petit bracelet, mais ma foi, les couleurs sont jolies. Et le résultat sera pas trop vilain. Ma foi, j'aime beaucoup. Et je pense que t'es pas loin d'avoir fini, Léa, j'ai pas un très très grand poignet. Là, c'est bon. Regarde, attends, je te donne mon poignet. Mais c'est que j'ai peur qu'il te va trop serrer en fait. Mais là, il y a un peu de vide là, Léa, tu vois pas? Qu'est-ce que c'est, Quentin? Bon, j'ai fini mon haul. Là, j'entends, je sais pas si vous entendez, mais on entend le voisin qui a sa musique à fond. Il doit avoir des sacrées basses, du coup, ça boum 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 juste en haut. C'est très très agréable, si vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas grand chose à faire, du coup, on n'a pas spécialement faim. Vous voyez l'heure là-bas, il est à peine midi et demi. On va peut-être attendre de manger. Histoire d'avoir vraiment faim parce qu'on a déjeuné assez tard mine de rien. Et puis on va pas se goinfrer trop, hein, n'est-ce pas Léa? Oui. Parce qu'après si ce soir on veut aller manger dehors pour être avec sa copine, il faudrait qu'on ait pas l'estomac trop plein, si vous voyez ce que je veux dire. Il fait pas très très beau dehors, je pensais qu'on allait pouvoir aller marcher comme j'ai fait hier, mais il fait pas très très beau, donc ça risque de pas être très très agréable. Mais bon, on va voir, la journée n'est pas finie. Et au pire des cas, j'ai d'autres choses prévues dans mon petit sac de Mary Poppins. Voilà, en attendant, on va regarder la Villa des Cœurs Brisés à deux. Enfin, Léa va finir son bracelet. Et je pense qu'on va peut-être faire 2-3 cartes. Je sais pas trop en fait. C'est vraiment du pifomètre en fait ce que je vous dis. Bon, on se retrouve dans la voiture. Il fait un temps pourri. Mais bon, on va pas rester enfermé dans la maison, du coup on va faire un petit tour à la poste. J'ai un recommandé à aller chercher, donc ça tombe bien. Et puis après on va voir si on a la motive, on ira peut-être faire un tour à Jiffy. Juste comme ça, juste pour aller faire un tour. Et puis c'est tout. Mais bon, vraiment il fait vraiment pas beau. Il faisait meilleur hier, si j'avais su qu'il ferait pas beau aujourd'hui, je peux vous dire que j'aurais plus profité hier. Mais bon, c'est comme ça. Allez, sur ce, à la route. On vient de rentrer à la maison, autant vous dire que c'est pas le jour pour aller dehors. C'est pas du tout le jour pour aller se promener dehors. J'ai fait quelques petits achats, rien de très très cher. J'ai pris un balai, enfin j'ai pris le manche d'un balai. Parce que j'en ai un qui est cassé, enfin là, vous savez le bout est cassé là. Et du coup il m'en fallait un autre, donc j'en ai pris un, il m'a coûté 1€. Il m'en fallait un, de toute façon c'était obligatoire parce que j'en avais marre de changer l'embout à chaque fois.
Après, on s'est pris des petites cochonneries avec Léa. Kinder Bueno pour Léa. Twix pour moi. J'en ai vu à la télé hier et puis je sais pas, je passais devant le rayon et le rayon a été plus fort que moi. Après, j'ai pris des petites formes comme ça à coller. Ça pourra nous servir pour quelques petites cartes. Léa s'est pris du... Oups! Du petit masking tape. Voilà, c'est elle qui a choisi. Hop. On voit pas grand chose. Attendez, je vais vous poser. Voilà, petite masking tape avec des chaussures à talons, des bouches et puis un côté rouge à pois. Ensuite, elle s'est pris celui-ci. Voilà, des petites fleurs, des petites formes géométriques et un gris comme ça, tout simple. Après, j'ai pris un allume-tout. J'ai voulu l'acheter en fait. Enfin, j'ai voulu l'acheter. Je partais pour en acheter un chez Action et puis j'ai complètement zappé. Du coup, j'en ai repris un là parce que ça m'agace de me brûler le bout des doigts à chaque fois que je vais allumer ma bougie Yankee Candle. Du coup, j'en ai repris un. Enfin, j'en ai pris un tout court. Et j'ai pris aussi ceci pour refaire des petites cartes aussi. Donc, c'est des cadres en fait. Des cadres, vous voyez, marqués Smile. Et en fait, vous avez tous les modèles au dos. Alors, on voit le reflet un peu de mon appareil photo, c'est dommage. Mais voilà. Voilà les formes qu'il y a en fait en cadre. Donc, il y en a quand même 8. C'est pas mal. Voilà. Et puis, Léa. Alors. Et pour finir, j'ai pris deux petites caisses comme ça. En fait, j'en cherchais. Ça fait longtemps que j'en cherche, mais enfin, c'était pas forcément le modèle que je cherchais, mais bon, c'est pas grave, je vais faire avec, c'était pas très très cher. Je voulais prendre absolument des petites caisses pour mettre tout le linge de maison, style torchon et tout ça, quand c'est humide et que, ben, que je veux juste les laisser sécher et puis les mettre à laver. Enfin, en fait, je veux pas les mélanger avec mon linge quotidien, enfin notre linge quotidien. Du coup, je me suis pris une petite panière comme ça, de façon à le laisser dans une... dans une autre boîte. Et puis bah, il y en avait deux. Du coup bah, l'autre, je sais très bien ce que je vais en faire. Ça va me permettre de faire le tri des chaussettes et des caleçons, etc. Parce que bah, comme ça au moins quand je plierai mon linge, je ferai mon tri, je mettrai tout ça là. Et tout ce qui est chaussettes célibataires finira dans ce petit pot, dans cette petite bannette. Voilà, elles sont assez grandes quand même. Enfin, à ma foi, ça va quoi. Elles sont pas trop grandes, elles sont pas trop petites. J'en profite pendant qu'elles sont encore à scotcher. Bref, du coup ça a été notre petite sortie du jour parce qu'autant vous dire que on n'est pas prête de remettre les pieds dehors. On va peut-être aller au cinéma ce soir avec la copine de Léa, mais bon, le temps ne nous aide pas à être motivés quoi. Heureusement que c'est sa copine qui vient. Sinon je peux vous assurer qu'on aurait fait notre journée devant le canapé à regarder des dessins animés quoi. Voilà, bon bah écoutez, c'est le bâton qui est tombé, enfin le bâton, le manche de mon balai qui est tombé. Je vais le mettre sur mon balai à l'intérieur, comme ça, je pense pas que ce soit un truc très costaud, mais mes autres manches, ils sont en bois, donc c'est pas très très grave s'ils vont dehors. Alors que celui-ci, je pense qu'il va rouiller. Bref, sur ce, je sais pas quelle heure il est. Il est 3h30 passée. 15h35. Voilà, 15h35, dit mon horloge parlante. Donc, je sais pas, on va se mettre un petit peu à la carterie, tranquillou, hein Léa? Oui. Ok, et puis voilà, on va regarder la télé tranquillou. On va s'occuper comme ça, de toute façon on n'a pas le choix. Voilà, sur ce à toutes. Bon, il est 5h15. On a fait de la carterie toute la journée. Léa, elle est encore en train de faire de la carterie. Elle nous a fait quoi la petite Léa? Elle a fait une petite carte pour sa maîtresse. C'est trop choupinou. T'es contente? Oui. Ouais. Elle s'y plaît hein, à la carterie. Hein. Elle s'est acheté tous ses petits masking tape cet après-midi là. Puis ma foi, tu t'en es même pas servi au fait. Je suis en train de les montrer, mais tu t'en es même pas servi. Non. Non, pour une prochaine. Ouais. Madame a fait déjà deux cartes. Hein. Moi j'en ai fait qu'une. Elle en a fait deux. Et moi j'ai fait ma petite carte pour avec mon petit tampon Hello pour quatre. Pour quatre. Non, pas trop. Pour Diego surtout. J'ai enfin fait ma petite carte. Je t'avais dit que je la ferais, hein, Kat. Hein. Ben la voilà. Elle arrive. Je suis contente en plus parce que je pensais pas trouver ce que je cherchais. Alors j'avais plein d'idées, mais ça n'a pas été faisable, réalisable. Parce que tout simplement, j'avais pas les fonds nécessaires pour trouver ce que je voulais. Enfin, j'avais plein d'idées, mais les idées étaient un petit peu onéreuses, on va dire. Et puis bon, après, je suis pas forcément très très douée non plus. Du coup, je me suis rabattue sur autre chose. Et je trouve que le résultat est pas trop mal. Enfin. Pour une débutante, je trouve que c'est pas trop mal, je suis assez contente. Après, j'ai toujours du mal à écrire la carte une fois que je l'ai faite.
les mots ne me viennent pas, ou alors c'est trop. Ou alors j'ai pas assez de place, ou alors j'en ai pas assez. Donc bon, voilà, j'ai fait ma petite carte. Je suis contente d'avoir apporté ma petite pierre pour l'anniversaire de ton petit et de ton petit-fils. Voilà, j'avais dit que je le ferai. C'est un bon entraînement en plus avec un thème particulier. Donc moi, ça je trouve ça cool. Et voilà. Bref, du coup, il est bientôt. Bientôt. Il y a encore 3 quarts d'heure avant que la copine de Léa arrive. Il faut que je passe un petit coup d'eau sur le balcon. Parce qu'il y a plein de saleté partout. Et puis voilà. Après, il faut que j'appelle Chouchou parce que je sais pas du coup si on se fait un McDo ou pas. Ou si on mange à la maison avec la petite. Je sais pas trop en fait. Parce qu'elles ont prévu. J'ai proposé à Léa qu'on se fasse un ciné. Après, ça se trouve demain il fera pas beau, faudrait peut-être que je regarde avant de dire ça. Ça se trouve demain il fera pas beau et ça sera une façon de les occuper aussi. Mais ouais, je sais pas trop ce qu'on va faire, faudra peut-être que j'appelle Chouchou pour savoir quoi. Voilà, voilà où on en est de ma journée, de notre journée. Bon, c'est bientôt l'heure, on se prépare psychologiquement à avoir une deuxième fille ce soir. Finalement, le programme de ce soir, ça va être petit McDo ou enfin peut-être un petit resto avec, avec Chouchou et les deux louloutes. Et puis demain, on ira au Cinoche. On va rester tranquille là ce soir, le temps qu'elle prenne ses aises, etc. Sachant que la petite, apparemment, elle a l'air assez timide. Léa va la décoincer très vite, hein, mais voilà, histoire de dire qu'elle prenne ses aises parce que ça, elle va être avec moi toute la journée, elle me connaît pas. Donc voilà, on va faire les choses calmement, doucement. En plus demain il pleut apparemment, donc ouais, comme ça, ça nous fera une petite sortie tranquillou. Voilà, Chouchou avait rendez-vous à 18h chez le dentiste. Et il est 5h15 passé, doit être 5h30 voire 6h moins le quart. Donc je l'ai appelé et il m'a dit qu'il avait annulé parce que ben, son boss l'avait pas laissé partir. Donc je trouve ça un peu dégueu, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Sachant qu'il avait prévenu déjà d'avance qu'il avait rendez-vous à 18h. Je trouve ça un petit peu... Enfin, c'est pas cool, quoi. Sachant que des rendez-vous, il les prend en fin de journée exprès pour que ça gêne pas spécialement. Ou que ça gêne, mais le moins possible. Du coup, Chouchou, pour se venger, entre guillemets, il a repris un rendez-vous pour mardi prochain. Et il l'a pris en plein milieu d'après-midi, histoire que, ben, comme ça, il comprenne un peu, pas la leçon, mais voilà, quoi. Il a essayé de le prendre le plus tard possible. Finalement, son boss le refuse. Et ben, autant vous dire qu'on va se débrouiller autrement. Mais pour le coup, ça va être le boss qui va être un peu plus embêté. Parce que la semaine prochaine... Chouchou partira à 4h30 et puis ben tant pis pour le boulot, sachant qu'en plus c'est pas comme s'il avait d'heures de supplémentaires de fête, il a toujours des heures à il lui manque toujours des heures sur son il fait toujours des heures supplémentaires à la fin de ses semaines qui sont payées au compte-gouttes plus ou moins, mais bon enfin ça c'est un arrangement entre eux. Et enfin voilà, je trouve un peu dommage qu'il ne l'ait pas laissé partir, sachant qu'il pleut en plus. Pas comme si c'était un jour où il faisait beau et où il carburait un peu histoire de rattraper le temps. Le temps où le mauvais temps, là pour le coup il fait pas beau. C'est pas un jour, on va dire, confortable pour tout ce qui est routier dans le TP. Et voilà, son boss n'a pas voulu le laisser aller à son rendez-vous, donc je trouve ça un peu dommage. En plus Chouchou il souffre et ses médicaments il s'est arrêté que hier matin, donc autant vous dire que Chouchou il attendait ce rendez-vous avec impatience. Et que là il va devoir faire sans jusqu'à la semaine prochaine. J'espère qu'il aura moins mal. Voilà. Sur ce, moi je pense que je vais vous laisser. Je vais essayer de filmer sur Instagram peut-être notre soirée. Mais je ferai rien de plus parce que la petite elle sait pas que je filme. J'ai pas envie de filmer non plus avec elle. Et vous l'aurez compris, demain je ne filmerai pas non plus parce que je serai avec Pépette. Enfin avec les deux Pépettes pour le coup. Et que tant que je serai avec elle, je vais pas m'amuser à filmer Léa et pas filmer sa copine. Et puis même filmer devant elle alors qu'elle est pas au courant. Voilà, je vais pas m'aventurer, histoire qu'elle en parle pas à tout le monde, etc. Et puis de toute façon, même si j'étais amenée à filmer, je filmerai pas avec elle ni devant elle. Voilà. Bref, sur ce, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ce petit vlog Rikiki vous a plu. J'essaierai de me faire plus présente les prochains jours. Mais c'est vrai qu'en vacances... J'ai plus tendance à me reposer qu'à faire des trucs à fond. Même le ménage, j'ai pas spécialement envie de vous le filmer parce que voilà quoi, c'est du vu et du revu sur les vagues, sur les jours de boulot on va dire. Donc voilà, je vais essayer mais je vous garantis vraiment rien. Voilà, c'est pas grave, moi en attendant j'ai pas mal de montage à faire donc ça va me permettre aussi de me...
de me mettre à jour, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah sur ce, cette mèche là me casse les pieds, voilà. Sur ce, moi je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.